Délestée de 15 kilos, Loana s'est confiée sur sa perte de poids. Dans les colonnes de Voici, elle a évoqué la triste raison de son changement physique. Loana a perdu du poids. Comme elle l'a confié à Voici, elle s'est en effet délestée de 15 kilos. Une perte de poids radicale qui n'est cependant pas liée à un régime ni à un souhait de sa part. Empreinte à quelques soucis financiers, l'ancienne star de Love Story n'a tout simplement plus de quoi remplir son frigo. J'ai perdu 15 kilos. Je suis à 60 et quelques et j'étais à plus de 80 kg, a-t-elle révélé avant d'avouer qu'elle avait moins d'argent. J'ai mangé des pâtes pendant un bon moment et j'en suis venu à perdre 15 kg. C'est à cause de mes problèmes financiers que j'ai perdu autant de poids. C'est mieux que comme j'aimais tout le reste. Ça, je peux te le dire, a ensuite déploré Loana. Malgré tout, la jeune femme le prend de façon positive. C'est un mal pour bien. Je me sens super femme, super bien, super fine. Je suis contente, je suis bientôt revenue à ma taille du loft, a-t-elle assuré. À lire aussi supérieur à Je me suis pété les, Loana révèle la véritable raison de son sourire édenté. Loana en deuil, cette terrible épreuve qu'elle doit surmonter en plus de ses soucis financiers qui ne lui permettent pas de manger à sa faim, Loana doit faire face au deuil. Au mois de juin 2023, elle a en effet confié avoir perdu un être cher, son papa. J'avais repris contact depuis 2 ans avec lui. Il ne voulait pas me voir, et je respecte son choix. Je l'avais au téléphone. Il ne voulait pas me voir parce qu'il ne voulait pas que je le voie dans l'état où il était. Il était très malade, quasiment aveugle et il avait pris du poids. Il m'a dit, je veux que tu gardes de moi l'image que tu avais. Je ne l'ai pas revu depuis et ça m'a choqué, avait-elle expliqué. Si elle n'a pas donné la date exacte de la mort de son père, Loana a toutefois avoué qu'elle ne s'était pas rendue aux obsèques. Un choix qu'elle assume et qu'elle a justifié en ces termes, je n'y suis pas allé parce que ça concrétisait. Pour moi, il est toujours là. S'il n'a pas voulu que j'aille le voir, je ne veux pas le voir en tant que mort.